sorry. Nous sommes vraiment désolés, on a eu une petite erreur technique. Donc, au cas où si vous êtes parti un peu, juste revenez et puis voilà, on continue. So we were looking at the signs. Mm-hmm. So the last one you can check out for, some will just all of a sudden become mute. Mm. They are not moving, they are not, you know, it's like they freeze. Mm-hmm. Just know there's something about to happen here. Alors, l'un des signes qu'il faut, auxquels il faut payer attention, en fait, is that even French? auxquels il faut faire attention, c'est quand l'enfant ne bouge plus, ne fait plus rien. C'est comme s'il est complètement frisé, voilà, il ne bouge plus. Gelé, tiens, gelé, pas frisé, gelé, voilà. So, know your child and learn out their sign. Because they will not send all of them, but each child will show you at least one. Mm-hmm. Yeah. Donc, il est très important de connaître vos enfants. Ils ne peuvent pas, ils ne vont pas forcément vous montrer tous les signes, mais au moins chaque enfant va au moins montrer un signe de voilà, d'effondrement autistique. Yes. So let's look at the triggers and the what we call pre-meltdown management. Mm-hmm. So each trigger has a management. Mm-hmm. Yeah. Donc, on va regarder les différents signes et savoir comment gérer, savoir comment les gérer avant l'effondrement autistique. Mm-hmm. So, Dottie had asked the triggers. Now, here they are. Dottie, I hope you're with us. Let me check. Are you with us? This is for you, yeah. Dottie. Mm-hmm. Yeah. So, one. The biggest cause of a lot of meltdowns is sudden change in plans. You know, sudden change, surprising the child without, you know, letting them know exactly what is to happen or what has changed. Alors, quelques causes de l'effondrement autistique. Donc, la première cause est le changement, un changement brusque. Une surprise ou enfin un gros changement dans la vie de l'enfant sans au préalable lui dire ou lui faire comprendre qu'il va y avoir un changement. Yeah. So to prevent that or to work, you know, help the child, learn always how to prepare them with schedules. Donc il faut toujours au fait pour pouvoir les préparer à tout changement. Il faut travailler sur une espèce d'emploi du temps, en fait, avec les enfants. Donc, il faut avoir une espèce d'emploi du temps carré et essayer de les préparer le mieux possible. Yeah. So, then, if you can't prepare them, always make sure you have a backup plan. For, you know, whatever you have arranged to be done, just know that you must have a backup plan. In case the first one fails, you can now help them. Yeah. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de préparer votre enfant, assurez-vous à ce que vous ayez un plan B, juste au cas où. Parce que le plan que vous pouvez avoir au départ peut ne pas marcher, donc assurez-vous d'avoir un plan B. Another trigger of meltdowns is the child having to make a choice from so many options. And this one happens mostly when you go out in the store, houses, in the candy shops. As long as there is many options, all of a sudden, the body starts becoming anxious. Yeah. Alors, la deuxième cause, au fait, vient du fait que l'enfant se retrouve dans une situation de stress parce que il se retrouve, au fait, dans une situation où il a plusieurs choix à faire. Comme, par exemple, si vous allez dans un magasin ou un supermarché et que vous passez dans l'allée des jouets, l'enfant, il se retrouve avec tellement de jouets autour de lui, il a envie de choisir, mais il ne sait pas, donc ça le stresse. Voilà. So how do we manage that? One, always help them reduce the choices. OK. Comment gérer ce genre de situation? Pour pouvoir gérer ce genre de situation, il faut arriver à un point où on réduit le nombre de choix. Pour les enfants. Ouais. Yeah. So two, also, plan with them before. Before you leave or before you go to playground, plan with them. We are going to do swing, then we'll do trampoline. So you are helping them to have choices. Yeah. Et une chose aussi très importante, il faut
planifier à l'avance. Comme par exemple, vous voulez aller au parc, vous leur dites à l'avance, vous faites un plan ensemble. D'abord, on va commencer par la balançoire, et ensuite, on va aller sur le trampoline et ensuite sur le toboggan. Quand on a ce genre de processus-là, ça les aide, ça les aide beaucoup. Mm-hmm. Another one now has to do with the, you know, us who live with the children, yeah, failing to explain to them what is going to happen in a realistic way, you know, them knowing it's food, after we finish eating, people will go out, you know, failing to explain to them, we assume they will just fit in and, Et l'une des causes, au fait, de ce genre de comportement, c'est que nous, en tant que personnes qui vivons avec ces enfants-là, on n'est pas capable de leur expliquer les choses comme il se doit. On se dit juste que, bon, voilà, on assume juste qu'ils vont comprendre comme tout le monde. Mais au fait, il faut expliquer les choses au cas par cas, pas par pas même, terre à terre. Terre à terre. Voilà, il faut juste être le plus practical. Pratique. Pratique. Voilà, le plus pratique possible. J'irai terre à terre. Voilà. So, that is one. So, how can we manage that? How can we put strategies that help them to be able to understand the things you're doing? OK. Alors, là, maintenant, on va voir comment réussir à gérer ce genre de situation, comment on va créer des stratégies pratiques pour pouvoir gérer, voilà, gérer. So it's always good to learn how to reinforce whatever you are doing or saying with the visual cues. So some will make pictures, some will use gestures. Make sure that you attach it to either visual cue or a gesture, something that will make them know exactly what you're saying. Alors, on peut, pour faciliter les choses, de fait, pour les parents et pour l'enfant surtout, on peut utiliser des différents visuels. Certains parents vont utiliser des petites photos ou des images. D'autres parents vont utiliser certains gestes, juste pour pouvoir leur faire comprendre ce qu'on est en train de leur dire. So we look at another trigger, and this one has to do with multitasking. Multitasking. So children on the spectrum have a problem attending to two senses at once. Alors, l'un des autres signes, l'une des autres raisons pour lesquelles les enfants ont un effondrement autistique est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Et dans le cas des enfants autistes, en fait, on se rend compte qu'il est très difficile pour eux d'utiliser deux sens en même temps. So what are we saying? If you're giving them a picture, allow them to attend to the picture first before you add a lot of your words. Par exemple, si on leur donne une si on leur donne une photo ou une image, il faut au fait les laisser se concentrer sur cette image là avant de commencer à parler. Voilà. Ou de leur demander de parler. If you're telling them to pick shoes, you know, allow them to pick shoes first before you say pick shoes and put on your shoes and let us go out. Alors, si vous leur demandez de prendre leurs chaussures, les instructions doivent être très, très simples. Si vous voulez qu'ils prennent leurs chaussures, laissez-les prendre leurs chaussures d'abord, avant de leur demander quoi que ce soit d'autre. Par exemple, ne venez pas leur dire « vas-y, prends tes chaussures, mets tes chaussures et puis on y va ». En même temps, ça ne va pas marcher. Voilà, une instruction à la fois. So that difficulty in processing is what raises their anxiety level. Before you realize, they give it up. Donc, au fait, c'est difficile pour eux, au fait, de prendre tout cela en compte, au fait. Ils prennent les choses vraiment, mais vraiment d'une façon qui est vraiment terre à terre, quoi. Donc, le fait de ne pas pouvoir faire plusieurs choses en même temps, ça les stresse et au bout d'un moment, on a un effondrement autistique.
So, and the last one, which is in the other categories now, the sensory overload. Mm-hmm. Yeah. Okay. Mm. Overload. Sensory excess. Yeah. Sensory excess. Mm-hmm. Yeah. Well, I have that one. I have it. Surcharge sensorielle. Et voilà, donc la dernière catégorie, au fait, est sur les surcharges sensorielles. Mm-hmm. Yeah. So, for sensory overloads, you can either take the child away from the sensory stimulation, mm-hmm. yeah, or prepare them before you move out. Okay. Yeah. All right, so just for me to explain, mm-hmm. so how exactly do you do that? Yeah, so this is how you do it. Mm-hmm. If you realize that your child struggles mm-hmm. with sense of smell, mm-hmm. you can expose them to smells within the house before you leave. Mm-hmm. Yeah, it's called the aroma therapy. Mm-hmm. Just help them smell a few different, so that, you know, that body level, the exact level raises before when you are in the house, mm-hmm. then it's accustomed to, then you move out. Okay, yeah. All right. Donc, par exemple, pour nous aider avec les surcharges sensorielles, on va donner un exemple très pratique. Si vous vous rendez compte que, au fait, votre enfant a des difficultés avec l'odorat, avec son odorat, et qu'il n'est pas très à l'aise, au fait, lorsqu'il s'agit d'avoir différentes odeurs en même temps, avant de sortir, vous pouvez l'exposer à plusieurs différentes odeurs dans la maison. Donc, comme ça, s'il doit y avoir une réaction, la réaction se fera à la maison. Et dès qu'il, voilà, il sera habitué. Et dès qu'il aura atteint son pic, bah voilà, on peut sortir. Et puis, ouais. For example, if you are going to go at a place where there's a lot of crowd, mm. and you know their problem is they respond to a lot of auditory yes. problem, yeah. have a ear muff. Mm-hmm. It can help. I wish I knew that a few years ago. Alors, yeah. si par exemple leur problème est par rapport à lui et vous savez qu'ils vont, enfin, vous allez aller dans un endroit où il y aura beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de bruit et que votre enfant est très sensible au bruit et à tout cela, assurez-vous à ce que lorsque vous sortez, au fait, que l'enfant ait un casque ou quelque chose qui puisse lui protéger les oreilles. Oui. And actually, for the Asperger syndrome, because mm-hmm. they talk and they have some level of cognition, yes. tell them exactly what to expect where you are going. Mm-hmm. There will be a lot of people. So mm-hmm. yeah, if you mm-hmm. feel you are overwhelmed, mm-hmm. just move close to me. Okay. Yeah. Par exemple, dans le cas du syndrome d'Asperger, en général, les enfants ont la possibilité de parler. Donc, dans ce genre de situation-là, expliquez juste à votre enfant que, voilà, on va sortir, il y aura tel genre d'obstacle. Si, par exemple, c'est un enfant qui a des problèmes avec le bruit, on va sortir, on sera en public, il y aura du bruit. Mais si tu sens que tu as du mal à t'adapter, rapproche-toi de moi et puis... So, to summarize the sensory causes, mm-hmm. yeah, yes. always know, yes. know what your child reacts to in terms of their sensory. Mm-hmm. Is it the sight? Is it what they hear? Is it smell? Mm-hmm. Know it. Mm-hmm. Then come up with a strategy of either exposing it to them so that they learn how to manage, or come up with things to help you guard against that wherever you're going out. Yeah. Alors, lorsqu'il s'agit de surcharge sensorielle, il est très important de connaître votre enfant. Il faut savoir exactement ce qui ne marche pas pour votre enfant. Il faut savoir si c'est l'odorat, lui, le goût. Quoi qu'il en soit, assurez-vous à ce que vous avez la possibilité de savoir exactement ce qui dérange votre enfant pour pouvoir soit l'exposer à ce genre de choses pour qu'il s'y habitue ou bien complètement de le protéger, de le ou la protéger de ce qui dérange. Yeah. So for Dottie. Dottie. She left, I think. She left with the power. Yeah. For Dottie and any other person there, mm-hmm. learn that if you have a lot of unstructured time, mm. you have very less routine that this child can follow every day. Just know you'll have meltdowns more and more. And more. You need to give them routine, mm-hmm. you need to structure mm-hmm. their time. Mm-hmm. Yeah. Alors, pour tous les parents qui sont frustrés,
par les effondrements autistiques de leurs enfants, il faut vous assurer au fait à créer des routines pour eux. Ça facilite les choses. Il faut avoir une certaine structure. Le matin, on se lève, on prend le petit déjeuner, on se brosse les dents, on se lave. Il faut une structure, au fait. Une routine, voilà, pour pouvoir leur faciliter la tâche et réduire le risque d'effondrement autistique. Yes, thank you. So, okay. What if it's happening now? Mm-hmm. How do you behave? Now he's already into the escalation. Yeah. What do you do? Okay. Yeah. Alors, là, on va voir ce qu'il faut faire au moment même où l'effondrement autistique est en train de se passer. These are general principles, mm-hmm. but apply them as by the uniqueness of your child. Mm-hmm. Yeah. Alors, les principes qu'on va voir sont très généraux, hein, mais il faut en fait les adapter à votre enfant. Yeah. So wherever you are, you can write the word scared. Wow. So, how do we do that in French? Scared. Yeah, the word scared. Because it's an acronym. Yeah, it's an acronym. Yeah, scared. Okay. Yeah. Donc, prenez vos stylos. On a un acronyme qui va vous aider. So when the child is in that time, mm-hmm. in a meltdown, remember we are saying he's not aware of the environment at that time. He don't mm-hmm. know anybody, he don't hear anything, he don't know what is happening. Mm-hmm. So the first thing, ensure the safety. Mm-hmm. Alors, il faut en fait vous rendre compte que quand l'enfant est en plein effondrement autistique, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Donc, la toute première chose qu'il faut s'assurer à la sécurité de l'enfant. Donc, la première lettre de l'acronyme, c'est S. S pour sécurité. Mm-hmm. So, here, guard the following. Please, don't restrain the child on a meltdown. Mm-hmm. Yeah. Because the more you restrain them, you are communicating to their body that the threat is still with you. So they have to look for a way to get away from that. Mm-hmm. So the more you restrain them, the worse they become. Mm. Wow. I wish I knew that earlier. Alors, dans un cas d'effondrement autistique, la première des choses, quand il faut s'assurer à la sécurité, à la sûreté de votre enfant, est d'éviter de les tenir. Oui. Quand ils font des crises, évitez absolument, à tout prix, de les tenir. Parce que là, au fait, ils vont se rendre compte que le danger est toujours là. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour se détacher de vous parce qu'ils vous voient en tant que danger. En fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand il y a un effondrement autistique, quand l'enfant est en plein dedans, s'assurer à ce qu'il n'y ait rien qui puisse être un danger pour lui, qui puisse le blesser, ou même nous blesser, nous. Donc, on le laisse, entre guillemets, faire, en s'assurant qu'il ne va pas se cogner ou qu'il ne va pas se blesser ou se faire mal. So, basically, kind of external threats as well, remove all objects that might be a danger to him and even to us, because there are cases where where you get hit by a cop. So yes, just making sure that the surroundings are safe as well. So what are the other two things to remove? One, remove social pressure. If you are, let's say you are within the supermarket, please just briefly explain to the people around what is happening. Don't shy away. Mm-hmm. Yeah, just tell them. Mm-hmm. That's a meltdown. It's going to end. Mm-hmm. Let's just watch him, you know. Mm-hmm. And like people, you know, somebody coming, looking, and you know, people staring. It's a social pressure. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Donc, l'une des choses, au fait, qu'il faut aussi enlever de l'environnement, c'est la pression sociale. Si, par exemple, l'enfant fait une crise en plein supermarché, un effondrement, merci. Si l'enfant fait un effondrement en plein supermarché, il faut le plus rapidement possible expliquer aux gens qui sont autour que voilà, mon enfant a une condition, il fait un effondrement. Voilà, c'est normal, ça va finir. Passez votre chemin. Évitez de regarder sinon, parce que... Un peu plus de salut, exactement. Un peu plus de stress.
Voilà. Yes, that's good. So once we do that, the last one also take them away from the stimulation. Yeah. If it is the visual, you know, they saw a lot of visual things and it's making them now get anxiety and start meltdown, just move them away to a secluded place to allow their body to cool down. Yeah. Alors, l'une des choses aussi, il faut les retirer de l'environnement qui cause le stress. Si par exemple, ce sont des stimuli visuels, essayer de les retirer de cet environnement-là où ils voient tellement de choses que ça les stresse et ça les trouble. Mettez-les dans un endroit où ils pourront se calmer d'eux-mêmes. Un endroit sûr où ils pourront se calmer d'eux-mêmes. So do you see how that one is different from now the tantrum? Oh yes. So the tantrum, if you remove them and they want to be removed, they have just won. So next time they will do a tantrum in the same scenario because they want to get away. Yeah. So if it's a tantrum, it's just as simple. We are here for a few minutes, then we will go. And that is the word, and that is full stop. Okay. Yeah. So that's the difference of how you manage the tantrum and was how you manage the meltdown. Yeah. Donc dans un cas de crise de colère, au fait, il y a une différence parce que si par exemple l'enfant fait une crise parce qu'il est au supermarché, qu'il veut partir. Il va faire une crise. Dès que vous le retirez du supermarché, la crise est finie. Voilà. Alors que dans un effondrement, c'est un peu plus compliqué. So, for tantrum, just remove the things, but remain calm. Yeah, remain calm. Don't show them that you are worked up. Because they want you to be worked up. Yeah. All right. Okay. Are we done? So almost. So we've said safe, ensure safety. Two, be calm. That is C. Yeah, be calm yourself. You know, use firm, you know, consistent word. If like it's Juma in the tantrum, just say Juma, it's okay. Juma, it's okay. But you be calm yourself. Don't be overworked and you know you're shouting. Stop it. You know you're misbehaving. You don't do that. Just be calm. Yeah. Alors la deuxième chose à connaître, c'est enfin, il faut rester calme. Donc notre deuxième lettre, c'est C pour calme. Si par exemple l'enfant s'appelle Juma. S'il s'appelle Juma, on va juste lui dire, au fait, il faut éviter d'être paniqué soi-même et de s'énerver. Donc, on reste calme, on lui dit, Juma, ça va aller, tout va bien se passer, mais évitez d'aussi lui crier dessus, non, tu fais des bêtises, arrête de faire ça et tout. Donc, restez calme. Yeah. So, for that scared, A is affirm. Affirmation is like, you know, reassuring them. Yeah. So just calling their name and being consistent only reminds them that, oh, somebody is here. Yeah. Donc, la troisième lettre, c'est R, parce qu'il faut les rassurer d'une façon, d'une façon ferme, mais aussi avec beaucoup de calme et apaisante aussi. On vous demande pas d'être strict, hein. Il faut juste les apaiser, être ferme et leur dire que tout va bien se passer et les rassurer. Oui. So the most wonderful one is their own routine. If there is a routine they like doing and you see them trying to engage in it, just join in and help them, you know, start that routine. That is the only way they organize their system. Donc il faut aussi s'assurer à ce que leur routine continue. Donc, la quatrième lettre, c'est R, pour routine. Donc, s'assurer à ce que... Si vous voyez qu'ils sont en train de faire quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, joignez-les et puis aidez-les à continuer leur routine. Voilà. And so, we can give an example of routines. For example, one like to jump. Don't know, suddenly they are jumping. Just help them to jump because that is how now they are bringing the whole issue back to normalcy. But many people will always want to restrain them, you know, take away from the routine and then just make it worse. Okay, donc par exemple, s'ils aiment sauter, laissez-les sauter. Aidez-les à sauter. Voilà. So the last one is empathy. Okay. Empathy has to do with
are looking at them from their own angle. What are they undergoing? Yes. Mm. So what can you do at that time? At that time, we said, don't leave them alone. Mm. Just be around there and just keep quiet if you can't do anything, but be there. Mm-hmm. Yeah. Ok, empathique, non? Yeah. Ouais. Donc, le dernier mot, c'est l'empathie, voilà. Donc, il faut juste être empathique, ne les laissez pas seuls, restez avec eux, mais dites-vous aussi, que, voilà, faites-le avec amour aussi. Hein. C'est vrai que c'est frustrant, mais bon. Ça fait mal, ça fait, moi, je me souviens qu'une fois, j'ai pleuré, je me souviens. Oui. Exactement. Because like you find yourself in a situation where you're hurt, you look at that child and you don't know what to do. Yeah. You literally, I mean, I can relate as well. The number of times Jad flipped on me and you literally cry sometimes. Yeah. You cry. You just... You feel helpless. Exactly, exactly. On sent comme si on n'a aucun pouvoir, comme si, voilà, qu'on peut pas les aider. C'est difficile. C'est difficile. So, and the last, which is D, is now the developed strategy. Mm-hmm. So, if your child is engaging in meltdown, remember we said not all of them show meltdown. Yeah? But if they are doing, and it is more in their life, so meaning you have to come up with a strategy of attending to how they show that strategy, that meltdown. Okay. La dernière lettre, c'est S pour stratégie développée. Et au fait, il faut s'assurer à ce qu'on ait une certaine stratégie pour pouvoir empêcher certaines, enfin, pas vraiment empêcher, hein, pour pouvoir gérer, oui, pour pouvoir gérer la situation qu'on a. Ouais. So in this manner, we are saying a strategy is the kind of actions you have put in place that when they get into a meltdown, this is what we normally do and they resolve it. So at that time, follow the same cell. Okay. Yeah. Don't change it because it's a new environment. Just use the cell. Donc, en gros, la stratégie, au fait, c'est ce que vous avez l'habitude de faire pour pouvoir arrêter un effondrement. Donc, continuez de faire la même chose. Quel que soit l'environnement, faites la même chose pour pouvoir résoudre la solution. Enfin, résoudre le problème. Oui, j'allais dire résoudre la solution. So that is scared, the agony. Yes. Yeah. So the other one was pre-meltdown, but now this is how you can behave during that. Yeah. Mm-hmm. But you're also saying, please customize this to your own child. Mm. Yeah, don't pick what you've seen another parent do somewhere and apply it to your child. Because they are just their trigger just different. Yeah. Yeah. So en gros. En gros, ces techniques-là sont des techniques, au fait, qu'il faut appliquer pendant l'effondrement. Mais faites attention aussi de ne pas copier sur différents parents, parce que les enfants sont différents. Ce n'est pas parce que Gisèle a une certaine stratégie avec Louis-Christophe que je vais adapter la même chose pour Jade et moi. Donc, il faut connaître son enfant et savoir ce qui marche pour chaque enfant. Yeah. So, those are the basics for meltdowns, but we say for you to be able now to understand and be able to help your child, get help from the professionals to help you manage, come up with a strategy. Mm-hmm. Yeah. So that then we summarize tantrum, because tantrum has nothing, because it's a behavior. Maybe she needs to translate. Alors, faites-vous toujours aider de professionnels. C'est très important et ça vous facilite la tâche. Et aussi parce que, bon, ce sont des professionnels, hein, ils savent ce qu'ils font, ils ont l'expérience. Et voilà, faites-vous aider. Demandez de l'aide. Please don't say your child is just being rude. Mm. Please. They need help. Give them help and they will be okay. Yes. Amen. Yeah. Voilà, donc ne dites pas juste que, voilà, que votre enfant a juste de mauvaises manières. Non, l'enfant a besoin d'aide. L'enfant a vraiment besoin d'aide. Donc, aidez votre enfant. Mm-hmm. Voilà. Yeah. So, that's okay. So, for tantrum, it's different. It needs behavior management strategy because it's purely a behavior. It's nothing cognitive, it's nothing unconscious. It's just a behavior. Mm-hmm. Yeah. Alors, pour les crises de colère, c'est juste le comportement. Ça n'a rien de spécial. C'est juste pouvoir gérer le comportement de l'enfant. And what is the strategy?
please come up with the consequences and the rewards for such behavior. Alors, dans ce genre de situation, en fait, la meilleure stratégie est de est d'avoir des punitions quand il en faut. Il faut avoir des punitions et aussi des récompenses. Voilà, des punitions et des récompenses. Ouais. Yeah. So about the behavior, about the consequences. Don't put a consequence after the tantrum ended. That's a different. They will never recognize that consequence as tied to that tantrum. No. So the consequence is supposed to come immediate. Translate that. Then I give an example, a clear example. Yeah. So okay. Dans le cas d'une crise de colère, si vous voulez donner une punition, ne donnez pas la punition bien après que la crise soit terminée. Donnez cette punition pendant. Immédiatement, tout de suite, dès que la crise commence. Yeah. So, for example, we are at a grocery store and they are crying for something that you know you don't want to give. Don't give and get home and now punish. So that punishment will be for something else. Yeah. But a good response will be, if you don't stop, we are going back home. And they don't stop. Just leave those things there, get him or her to the car, go home. Okay. Be firm. Be firm. I love to be firm. That's the rule. My husband, he's so sweet. Donc, en gros, au fait... Oula. Alors, si par exemple, toujours le cas du supermarché, votre enfant vous fait une crise en plein supermarché parce qu'il veut, il veut une voiture en jouet. Ne lui donnez pas la voiture et après, maintenant, quand vous arrivez à la maison, vous allez le punir. Non, ça va servir à rien, en fait. Donc, dans ce genre de cas-là, vous lui dites tout de suite, ne lui donnez pas le jouet. Vous lui dites tout de suite, écoute, si tu n'arrêtes pas, on rentre à la maison. Et s'il n'arrête pas, je sais que vous avez pris du temps pour aller faire les courses, mais laissez vos courses et rentrez à la maison. Parce qu'il faut qu'ils comprennent au fait que voilà, ce que tu fais, bah, ce n'est pas bien. Donc, c'est ça sa punition, rentre à la maison. Voilà. Yeah, so, why is the child making tantrums? Why is the child making tantrums? Alors, pourquoi l'enfant fait des crises de colère? The following causes. One, they have either poor social skills. Yeah. Ok. Alors, leur, ils n'ont pas de social skills. Ils ne savent pas comment interagir en société. Voilà. Yes. L'une des raisons. Or, they haven't learned how to communicate their needs. Ou bien ils ne savent pas comment communiquer leurs besoins. You know. Also, maybe they are attending. Skills are not well developed. Attending skills, attention. Yeah, just like attention. Yeah. Okay. Ou ils n'ont pas, ils ne savent pas comment se focaliser sur certaines choses. Sur les choses. Ils ne savent pas comment comment se focaliser, se concentrer. Voilà. And the last one. And this is for all, typical and non-typical. Reduced frustration tolerance. Frustration, all of us, we grow in a way that there are certain things will be hard, but we'll keep in until we finish. But with this era of TV, play game, that one has been totally reduced. So when they reach to a place where they need more tolerance, they can't. Ok, donc ils n'ont pas cette possibilité là de gérer leur frustration en fait. Ils n'ont pas l'habilité de pouvoir gérer leur frustration et les niveaux de difficulté de la vie parce que maintenant tout est facile, tu as tout en ligne, tu as des téléphones. C'est pas comme avant où pour allumer la télé il fallait aller toi-même, c'est toi la télécommande, tu vas, tu appuies. Maintenant tout est plus facile au fait. Donc ils n'ont pas cette habilité là cette possibilité là de gérer
leur stress. So the golden rule for tantrum, ignore it. Alors, pour gérer les crises de colère, ignorez-les. Ça, j'aime bien ça. Ignorez. Be calm. Restez calme. And insist on the right response. If it's a no, it's a no. No negotiation. Don't give expecting tomorrow, now, again. You will not give. No. Ignore, be firm, maintain the correct response. Et gardez les mêmes réponses. Ne leur dites pas non aujourd'hui pour pouvoir leur dire oui demain. Si c'est non, c'est non. Voilà. Great. Are we done? We are done. Yes. We have no choice. We need to. Yeah. Yes. Thank you so much, Victor. Now we are going on social media. Now I am on YouTube. Oh, I have a dear friend of mine, Lily. Coucou Lily from Lille. She has joined us. So please, send us your questions. Envoyez vos questions, toutes vos questions, on est là pour... C'est la pour, fin, voilà. Non, mais c'est vrai en plus, hein. We are finishing, we are going home. Yes. Please, you need to send us your questions. So, Victor or myself and Manuela can answer. I think we have another question for Dotty. Dotty, were you with us? I just see your question. Okay, she's saying, my son loves water, but bathing time, he cries a lot. Is it hormones? Huh? No. Okay. That's a question for Dotty. Yeah. Alors, Dotty nous dit que son fils adore l'eau, mais... à chaque fois qu'il faut prendre le bain, en fait, il pleure. Donc, elle se demande un peu ce qui se passe, si ce sont les hormones et... Oui. How old? I know Dotty. I think her son is 8. Dotty, how old is your son? But this is what we say generally. I think he's 8. We will ask. 7, I don't know. It can't be hormone. One time you're playing with it and a different thing, showering. It's a behavior. Manage the behavior. It's a behavior. Totally. So it's a tantrum. Yeah, it's, that one is. If he's crying because of that, it's just a tantrum. Oh, she answered. Her son is 6. Okay. 6. Yeah, 6. That is a duration where if the child is on the spectrum, they will still show all those behavior to try and get away with things. So manage it. That has nothing to do with the meltdown there. Alors, dans ce cas spécifique, au fait, parce que son fils a 6 ans et il est encore, je ne vais pas dire nouveau hein, sur le spectre, mais il est tout petit, il est tout jeune. Et dans ce genre de cas, au fait, on se rend compte que si l'enfant aime l'eau, mais qu'au moment de se laver, au fait, il pleure et tout, c'est une crise de colère. Donc, c'est, okay. Et ouais. Toujours Dotty, so we are still with Dotty. Thank you for being so to interact with us, Dotty. So she's asking, she's saying actually, my son can't eat without playing with the phone. So what are you asking, Dotty? Is I think maybe she wants to. Yeah. What happens when he doesn't eat? When he eats without his phone, what happens? Does he throw a tantrum, a meltdown? That one I can tell you. If we take the phone, he cries a lot. Tantrum. Okay, she answered. Yeah. She said, if we take the phone, he cries a lot. Yeah. Tantrum. Tantrum. I'm sure if Dotty's son come to dine with us in the same table, you will not eat with that phone. Yeah. Yeah. That's your phone. He knows how much you can give that phone. Yeah. That's a Now on Facebook, we don't have any questions. Do we have any questions? I don't see any questions on Facebook. I don't see any questions. Simple, do you see any question on Facebook? Maybe I'm missing something. There's no question there. So we're almost done. It's almost 7:30 here in Nairobi. So we need to wrap up this section. Another one? Nope. Oh. Dotty is laughing. Dotty, you need to be firm. With Victor. It's a tantrum. Her son's name is Victor, like you. That's my namesake. I don't be firm with my namesake. It's a good boy who knows you. Yes. Knows you. Okay, so we are coming to an end.
thank you all so much. You, those of you who have been with us, it's like this. We appreciate. Thank you so much. And we believe by the grace of God that we're going to have other live sessions. And we are just grateful just to be here to serve the Lord and to serve you through what we have in our heart. Yeah, sorry, I forgot about you. It's okay. I got carried away in your speech. Alors, merci beaucoup de nous avoir rejoints. On apprécie énormément l'opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir servir Dieu et de vous servir. On n'a pas de mots pour exprimer ce qu'on ressent. On est vraiment touchés. Merci infiniment d'avoir suivi, pour ceux qui ont suivi du début jusqu'à la fin, et même pour ceux qui ne sont pas restés jusqu'à la fin, merci d'être venus. Même pour ceux qui sont arrivés en retard, merci énormément. And then I will just close by saying, I've said it in the previous video, my son has not done a meltdown since 2 years. I think we are following the third year now. And it's just the grace of God. I'm a believer, and I really believe that God had a lot to do with him not having meltdown anymore. I can't explain to you how it happened, but it just happened. He did have some therapies, but something that I want you to understand is that through Nione, we want to tackle the spiritual aspect. Just like any one of us, we have a body, a soul, and a spirit, and these three entities needs to be addressed, including in those with autism spectrum disorder. If there's something I want you to remember in all the things we said is that. So I want to encourage somebody who is listening to me or a parent. It is not easy, it's tough. Yeah. It's challenging, but God is really the one who gives us all the strength and the resources to go through this journey. And it may be it may sound funny, but I wouldn't change that journey at all because it has really transformed us. Yeah. Alors. No, but it's good that you did. I was carried away. Alors. Gisèle vient de témoigner avec nous au fait du fait que Louis-Christophe n'a pas eu d'effondrement en 2 ans. Et si vous vous souvenez, ouais, un peu plus. Et voilà, quoi. C'est juste par la grâce de Dieu. Et on se rend compte que dans toute chose, déjà, on veut encourager les parents, tout parent, tout tuteur, toute personne, en fait, qui prend en charge un enfant autiste, et qui, des fois, se sont dépassés, ce n'est pas facile. On ne va pas vous mentir. On ne va pas vous mentir, ça fait des années qu'on est en plein dedans. On ne va pas vous mentir, ce n'est pas du tout facile. Mais rien n'est possible à ceux qui croient en Dieu. Rien n'est possible. Rien n'est impossible. Nothing is impossible to those who believe in God. Voilà. Rien n'est impossible à ceux qui croient en Dieu. Et avec Dieu, tant qu'on a Dieu, on a la majorité. Donc... soyons encouragés. Cette fondation n'est pas quelque chose que... on n'est pas dedans, en fait, pour devenir des stars ou pour gagner quoi que ce soit. On est là juste, au fait, pour pouvoir redonner aux autres ce que Dieu nous a donné. So she's saying, you know, initiative. It's not, we are not in this initiative just to for stardom, yeah. To show off, no. We're just in it to share what God has done for us. Mm-hmm. Et il a fait énormément. Il a fait énormément. je me souviens, on a rencontré Louis-Christophe quand vous avez emménagé au Kenya. Yeah. Et là, au fait... So she's saying they met, she met our family when we just came in Kenya. Yeah. Mm-hmm. When we just got to Kenya. Yeah. I'm losing my English.
Et là, il y a un changement. Même quand il passait aujourd'hui, tout à l'heure, et Dieu est vivant. Dans chaque personne, au fait, on a un corps, on a un esprit. How is soul? L'âme. Voilà, on a une âme. Et c'est pareil pour les enfants autistes. C'est pareil pour les personnes qui vivent avec l'autisme. Et il faut juste comprendre que ces personnes-là, il y a toujours un aspect spirituel derrière chaque chose. Tout ce qui se passe dans nos vies, physiquement, au fait. She's saying, she's saying there's always a spiritual aspect behind to everything. Yeah. Et tout ce qui se passe dans nos vies, au fait, il y a une raison spirituelle. On ne va pas rentrer dans les considérations où on va dire non, c'est pas le temps, mais dites-vous juste que dans chaque chose, il y a un aspect spirituel et qu'on prie pour vous, pour chaque personne qui veulent bien nous demander de prier pour eux. Behind everything, there's a spiritual aspect. Yes. And we're not going to tackle that. The spooky. Yeah. Yeah. But for those who are willing, we are praying for them. We're praying for these families. Yeah. Et tout va très bien se passer. And everything will be good. And speaking of that, we have a parents Nyone prayer group on WhatsApp. And let me give you the number if you want to join that WhatsApp group. Please call the... Attends. It's a plus... Sorry. Alors, on a... pour tous ceux qui sont intéressés, on a un groupe WhatsApp pour les... Un groupe WhatsApp Nyone pour les parents qui souhaiteraient compris pour eux. Donc, c'est un groupe de prière. Et le numéro, c'est... Et en fait... Au-delà des prières, on s'édifie aussi, on partage certaines choses. Yeah, and we edify each other as well. We share, we support each other as well. Donc le numéro de téléphone, c'est plus 254 pour le Kenya. So plus 254. 7. 7. 34. 34. 62. 62. 82. 92. 10. 10. Donc plus 254. Plus 254. 7. 7, 34, 64, 62, 62, 92, 10, 10. Donc vous êtes vraiment libre de vous joindre enfin, à ce groupe WhatsApp, où que vous soyez, vous êtes vraiment les bienvenus. So you're all welcome to this WhatsApp group and we will be looking forward to meeting you there. Et merci encore une fois. Thank you. N'oubliez pas de liker notre page Facebook. Donc, nous sommes sur Facebook. Merci de liker notre page, de la partager avec vos amis, de vous inscrire également sur notre page YouTube. So, thank you so much, everyone. Please remember to like our Facebook page. We're also on, and to share it as well. And we're also on YouTube. So, like, comment, share, subscribe. And we're also on Twitter and Instagram. Et on est sur Twitter et Instagram. And our website will come soon. Et dans très bientôt, on aura notre site web. So, thank you all so much. It's getting late. Thank you. Merci énormément. Il se fait tard. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, au Kenya, on a un couvre-feu. Donc, il faut rentrer à la maison. Voilà. Merci. Thank you, Victor. Thank you, Manuela. Anytime. You are our interpreter. Yes. For life. thank you so much. God bless you. We love you. And on vous aime. Again, when we touch heaven, our lives will surely change. Thank you. Bye. Au revoir. Au revoir. Puis bah là, la quoi? Je ne sais même pas si est-ce qu'elle sont africaines et amies. Non, il y en avait tout à l'heure. Bye. Bye.